gagnent deux points que nous allons parler. Adam, conférence de presse du concours de la Haïti Nation, la bataille. C'est sous rencontre que nous avons fait avec délégation canadienne de haut niveau qui en Haïti jusqu'à présent. Et deuxièmement, sur le document que nous avons le compromis historique. On va commencer par aborder le premier point, qui c'est rencontre avec délégation canadienne de haut niveau. Nous toujours dit, nous-mêmes, au niveau de la littérature, nous toujours rencontrer tout le monde, que ce soit dans la communauté internationale là, ou dans le pays. Parce que nous pensons que, je dis à la communauté internationale là, nous avons dit peut-être malheureusement, mais nous avons un rôle extrêmement important que nous jouons dans le pays. Et nous-mêmes, comme responsables, il faut nous garder au général dans la parole avec eux pour nous dire exactement les revendications populaires et qui ça que le pays a, qui ça que le pays a, et même là, à temps de eux. Et nous devons remettre en aide mémoire et également en blanc. Sous question de l'assistance que nous avons parlé. Nous devons remettre de façon à ce qu'on soit au courant exactement de qui ça nous-mêmes nous voulons pour pays nous. Premier point, alors délégation canadienne, ça, il y a environ 5 personnes qui étaient là-dedans, plus ambassadeurs canadiens qui en Haïti. Il y a M. Daniel Jean, chef de délégation, qui se représentant. Vice-ministre des Affaires étrangères du Canada. Il y a M. Ulrich Shannon, qui est directeur général du programme stabilisation et opération de paix au niveau mondial. Il y a général Éric Laforêt, qui est directeur général opération, état-major interarmé au niveau du Canada. Il y a Ben Salgado, qui est directeur général régional concernant la gendarmerie royale du Canada. Il y a M. Mathieu Kimmel, qui est directeur politique des affaires humanitaires au niveau mondial également pour le Canada, et DGN, ambassadeur canadien en Haïti, qui lui-même est présent dans le comme ça. Premier point que nous avons abordé, après, puisque je l'ai dit que nous avons dit non, c'est question de sécurité. On aime toujours parler de question de sécurité, et d'expliquer. Pour qui ça que nous ne devons pas parler de l'intervention, pour qui ça nous parle de l'intervention, pour qui ça, c'est une assistance technique que nous demandons à la police et aux forces armées haïtiennes. Maintenant, décision que moi-même comme politique, moi je dois prendre, c'est une décision qui va mettre l'autre génération dans le problème. Nous avons déjà une intervention qui était faite avant eux. Yo vin mete en 94, nous obligés qu'on y a à gérer tout ça qui est passé mal dans l'intervention. Il fait que si la bonne décision qu'on y a, son décision qui vous fait que l'autre génération yo pas vivre dans le même problème ça. Et c'est peut-être ça nous disons qu'il faut une assistance technique à la police et aux forces armées d'Haïti. Comment pour assistance là, ni manifester, nous allons dans les détails. Je viens de parler de détails, de regarder le général la forêt générale. Pour nous dire, mais qui ça exactement que nous avons. Premièrement, ça le Canada fait pour nous, pour nous assister, c'est porter les matériels pour nous dans le même avion l'armée canadienne. Parce que nous connaissons des subventions de transport pour nous, mais nous avons voté 3 blindés MRAP. Et blindés, ça nous oblige à faire travail là-dedans, c'est qu'on y a le bon. Après 15 jours, nous avons obligé à faire travail là-dedans. Donc nous demandons de porter matériel pour nous, reste 15 blindés, et porter au fini, tout fini. Puisque le Canada a gagné caoutchouc qui blindé, des protections, le radiateur, tout ça qui manque. Nous pensons que si on porte le premier matériel, ça est fini, avec les fusils d'assaut, avec les autres matériels, avec les munitions, ça va déjà mettre nous. Non-position que unité tactique anti-gang
que le directeur général l'a formé, que vous avez des matériels pour commencer à avancer et commencer à planifier les réponses. Donc, c'est le premier bagage que je vous dis. Ils sont conscients de ça, quoique ils sont une compagnie privée canadienne, ce n'est pas l'État canadien. Mais je vais aller là, ils vont obliger mes débouchures pour que nous jouions reste 15 ans et reste matériel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous pensons que, avec l'occupation on va dire, de zones métropolitaines, eh bien, l'unité tactique anti-gang noir, les guerriers ont effectif qui n'est pas suffisant. Et que eux-mêmes, au niveau des forces armées et des gendarmeries, il y a des unités qui sont complémentées pour que nous avons une force conjointe avec Haïti, qui ont même fait opération plusieurs côtés à la fois. Mais toujours avec l'UTAG, unité anti-gang que nous formons, qui a pas d'accompagnement, et là ça, moi je pense que l'opération a fait avec leadership police moi, mais avec accompagnement qui va permettre que nous déployer 3 ou 4 côtés à la fois, parce qu'il faut libérer tous ces espaces, que ce soit Matissan, que ce soit Bouquet, que ce soit Pellier, que ce soit La Boule, il faut libérer ces espaces le plus rapidement possible. Troisième façon, c'est que immédiatement que l'opération sera faite, il faut la formation pour que l'unité tactique anti-gang ait une capacité pour que désormais ils répondent à toute forme de menace. Donc, l'opération et la formation. Et ça, nous pensons que ce bagage qui est possible, puisque ils ont une expertise là, et en même temps, sur le terrain, l'unité tactique noire prend expertise là. Ça, c'est le troisième point. Quatrième point, pas lié, l'armée a livré un tout. Et l'armée a fait toujours un appui à la police, selon la constitution haïtienne. Et pour qu'il y ait un appui à la police, il faut l'équiper. Leur unité tactique anti-gang n'a fait opération, il faut les unités en genoux de l'armée qui a aidé eux en cas que y a un problème. Donc, si ce général était armé qu'il a lui-même, lui voulait vraiment assister, eh bien, nous avons dit Haïti, il faut que l'unité s'arrête, formé pendant que l'unité tactique anti-gang est souterrain. Et puisque nous avons environ 1200 officiers soldats qui font soit en Amérique latine, ou bien au Mexique, ou bien ici, moi pensé, effectif là déjà là, il faut simplement mettre ces unités en œuvre pour aider la police là, le que vous voulez. Et le Sahara, institution Panouyo, a qu'à arriver justement fait travail là après un temps et après que il y a grande responsabilité au niveau technique. Et dernier point que nous avons soulevé avec eux, sur la question humanitaire, immédiatement que justement zone sont libérée, c'est ces unités qui ont même accompagné de vraies organisations communautaires, de religieux, qui ont même qui vous fait distribution dans un homme. Il ne faut pas rentrer dans ce qui est passé autrefois pour que vous quittez la distribution à des anciens chefs de gang qui ont même vu encore prendre force dans un homme. Vous voyez ça qui est déjà passé à une organisation brésilienne, à Rio. Lui-même, tu as promouvoir ça. Et ça a pour nous. Donc le Sahara, il faut sûr que la question humanitaire là, c'est le peuple là qui la joigne, ce n'est pas justement bandit pour la joigne. Il fait que dans la situation ça, nous avons éclairci 5 points ça. La question des matériels, hein, la question du renforcement de l'État, la question de la formation, la question des engins lourds pour les forces armées haïtiennes et la question humanitaire, j'ai envie de vous faire distribution et intervenu dans ce zone côté qui déroule mieux pour que ce n'est pas un problème que vous voyez. Mais j'ai cette expérience dans le passé. Et le Sahara, unité Sahara, qui a aidé l'unité de la police là, une fois que le travail est fini, nous-mêmes, nous n'avons pas besoin d'arrêter, car il y a des experts en formation unité, mais le Sahara, assistance là, est limitée dans le temps qui va permettre que nous avancer. Tout ceci, nous dit, nous avons parlé technique. Mais cependant,
Mais cependant, tout ça, avant le fait, faut que nous gagnions une gouvernance là. Parce que si on gagne une assistance qui vient là, sous forme d'aide à la police ou à l'armée, et vous connaissez ça qui a passé, le gouvernement ça a là, qui a passé, dans la tête, c'est renforcé ou venir renforcé. Ah oui, il faut qu'il y ait ce compromis. Parce que vous même pas venir assister pour consolider le gouvernement. Vous pouvez venir assister pour aider le peuple haïtien. Contre problème que nous avons là, mais ce n'est pas pour le gouvernement. Et c'est peut-être ça que nous te dire nous-mêmes, on est passé que nous faisons. Nous-mêmes qui sommes toujours dans l'opposition, qui sommes décapés, nous disons mon dépassement que nous faisons pour nous faire appel à un compromis ISO. Et compromis ça, son compromis côté que faut nous parler à la société. Parce que dans le pays, chaque monde a une proposition qu'il a faite. Les propositions sont sorties de chaque parti, de chaque organisation, que ces propositions vont être bonnes. Et en fait, compte, il n'y a pas la solution haïtienne. Nous lançons un appel à ce compromis ISO. Et compromis ça, nous commençons à parler déjà, nous-mêmes dans la peine, avec le secteur politique. Mais pas oublier, il n'y a pas le secteur politique là qui se situe. Le plus souvent, nous-mêmes dans le secteur politique là, eh bien, nous parler, nous pensons que nous parlons pour tout le monde. Non. Dans le compromis, ça fait tout le secteur sous table là. Faut le secteur politique là, que nous commençons par la belle, dans ce appel là. Faut nous parler avec syndicats. Avec syndicats. Faut nous parler avec le secteur privé. Faut nous parler avec l'université. Faut nous parler également avec le secteur de base. Mais faut nous parler avec les gens qui ont petit des moyens d'agriculture. Agriculteurs, businessmen, qui n'ont pas de problème. Malheureusement, il y a un pile dans la politique là. Il y a un pour l'envers, il y a un peu parler. Mais il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur, mais qui a fait business là. Il n'y a pas de douleur, l'autre monde. Et c'est pour être ça, politique là, seulement pas qu'à parler. Il faut y parler parce que c'est eux qui investissent dans le pays. C'est eux qui ont camion bloqué, c'est eux qui ont des problèmes. Donc il faut avoir un mot pour eux dire tout. Et moi, je pense que, dans le compte de ça, il n'y a pas de trop long. Il y a de rapide pour la société à les dégager, justement, solution ça. Et nous-mêmes, là, Haïti en Action nous dit, nous dit, quelle que soit la solution que la société a dégagée depuis l'image militaire, nous allons combattre. Position nous toujours claire, nous-mêmes nous allons en arrière. En arrière. Nous allons au gouvernement Ariel, nous pensons que Ariel échoué. Parce que Ariel va aller, c'est la position de Hama. Mais si une position majoritaire qui soutient que toute société a d'accord avec elle, nous ne devons pas suivre, nous ne devons pas le gouvernement. Il doit arrêter nos positions, même pas combattre lui. Parce que je dis à la société, à tout, si je veux nos solutions, il faut l'avancer. Il faut l'avancer. Parce que je dis à un peu de monde qui vivait dans le pays, qui est en situation extrêmement difficile. Et nous tenons compte de eux, surtout de majorité silencieuse. Et c'est peut-être ça que nous dit. Tout secteur, ça veut. Que nous parlons de vous parler à vous, faut vous répondre, pas aux responsabilités, faut vous venir pour vous tendre, pour que vous dégagez position. Et position ça, les positions majoritaires, pas gain pour que blanc qui va dire que c'est pas solution haïtienne. Pas aucun blanc qui va dire. Et moi-même, moi dire, quelle que soit la position, dès que mon position majoritaire la soumettre, parce que c'est la démocratie, c'est pas élection, c'est le consensus de la société que nous rejoignons. Il faut nous parler pour nous arriver à parler avec tout le monde. Bien, bien, bien. Dans ce sens-là, moi je pense que depuis l'autre jour, au niveau politique, non pas la politique, nous parler avec des responsables d'université, pour parler avec le syndicat le plus rapidement possible, par les temps, avec les groupements de métiers, les corporatifs. Avec les organisations de défense des droits humains, le secteur privé, pour que vos solutions majoritaires soient sorties. Solution ça. La campagne d'elle, on dit voici,
la solution haïtienne. Amen. Donc nous demandons tout acteur au fond sacrifice, fond dépassement pour ce compromis historique, pour que nous arrivions dans une solution haïtienne. Côté nous demandons blanc, pas faire interférence là-dedans. Tendez, ça n'a pas dit. Gardez, ça n'a pas fait. Quittez nous grand responsabilité. Mais nous avons besoin d'assistance là, qui pour aider la sortie. Assistance technique là, de parler de assistance économique là tout, puisque le pays a à terre. N'importe qui notre gouvernement qui est là, on va regarder qu'est-ce qu'il y a. Donc c'est pour être ça, nous dit, si nous avons possibilité de solution, on a besoin d'assistance pour que nous puissions sortir de là. Parce que j'aime toujours dire, l'aide doit nous aider à sortir de l'aide. Alors que l'aide qui était portée pour nous dans l'intervention en 2014, elle aide nous à rester dans l'assistance. Nous ne pouvons pas faire ça. Il faut que si nous avons aide aujourd'hui, dans 25 ans, nous ne pouvons pas recommencer dans ça encore. Et c'est pour ça que nous avons gardé la délégation de l'Angers pour nous dire, nous comprenons, et nous disons que nous-mêmes, c'est dans la ligne sacrée, nous espérons, et nous continuons de prendre sur la vie, nous continuons de parler à tout le monde pour que nous jouions une solution ici. Voilà en gros ce que vous avez présenté comme point de la conférence de l'Angers. Merci. Ça va pas vous garder, ça va pas vous garder. Vous êtes avec moi, je dis, on parle de toi. Même d'être déjà arrivé, des bien qu'elle s'y mettait, mais par la sécurité. Et matériellement, c'est plus le Canada par rapport avec comment l'État ici s'est passé et que le Canada t'a remettre, pour qu'il t'a remettre l'État ici, c'est l'argent. Et par rapport avec le Canada, qu'il n'est pas prêt à négocier avec l'État ici et que c'est Israël qui a traité des questions matérielles pour renforcer la capacité opérationnelle de la police. Qui ça est le cas qui va dire nous pour être au flou dans le bagage? Est-ce que c'est donné? Délégation confirmée, nous, que le contrat a toujours été. Que mon parti dans la guerre là qui baille et que les récents, ça c'était au niveau de la délégation. Donc, m'obliger à être attaché à parole que vous dites hier là, pendant que moi-même on a compris. Oui, parce que quand c'est aussi concerné, est-ce que le Canada envisage au déploiement, est-ce qu'il envisage assistance, même pour passer la nature et voilà. Que n'importe ça, il y a des cas pensés, mais hier les OVNI, il y a des rencontres donc les gardiens qui meilleur formé. Qui est meilleur forme. Et nous-mêmes, surtout, il y a des gardiens qui parlent d'intervention. Là, nous avons parlé d'assistance, ils ont demandé nous exactement quels sont les points hein, qui gagnent en question assistance technique. Et moi, je vous premièrement, il faut avoir ce matériel-là à la police. Deuxièmement, il faut compléter l'UTAC-là, qui est l'unité tactique anti-gang. Troisièmement, formation pour que après opération, l'UTAC là, il y ait effectif suffisant. Les unités engins lourds pour l'armée et la question humanitaire qui doit être distribuée par l'accompagnement de la police, mais avec des organisations notables dans la communauté pour que ce soit pas chef d'un qui a distribué. Solution, on a cherché nous-mêmes. Solution, on a cherché nous-mêmes. Est-ce que nous problème? Pas de parler de combien. Moi, je vous dis que je suis allé vite. Pendant ce temps, moi, j'ai un SDP, Brechnel, là, qui est à Comontana, qui est créé, donc moi, qui va dans l'initiative là. Est-ce que ça va vous faire quelque chose dans la vie? Écoute, Napchita, tout le monde a l'initiative là. C'est la solution majoritaire. Côté nous, rentrer dans Paris avec toi. C'est pas la solution à la sortie. C'est pas peut-être la solution pour le monde. Mais c'est une solution que la société a d'accord sur lui. Et c'est ça que la société a d'accord, c'est lui qui a souti. Nous disons nous même nous-mêmes, pas rentrer la donne, mais nous ne pouvons pas combattre lui. Parce que je dis, nous, notre société, côté pour aller à l'élection, c'est par consensus que la société a de dégager une solution. Et cette fois-ci, nous dit, ce n'est pas politique là seulement, c'est pour les secteurs vitaux de la société, ou des mots pour nous dire, puisque également nous, nous sommes victimes de situations ça. Et le ça, faut nous garder et soumettre à décision majoritaire de société à propre pour nous. Nous allons nous rien pour faire tuer les dans un politicien. C'est deux acteurs encore pays qui sont supportés les pays d'ailleurs. C'est-à-dire au niveau du PNH, le plan financier, etc. Donc que là, par rapport avec n'importe quoi, c'est quelque chose. Si nous voyons le pays du Canada, là, il est plus de ça. Et le PNH a lui-même toujours le même problème.
Et première question, pour question d'école, je pense que c'est clair. Pour question d'école, là, nous gagnons un gouvernement là qui n'a pas qu'à ouvrir l'école. Nous-mêmes, d'ailleurs, c'est pour dire l'école, nous gagnons du fait. Le gouvernement peut prendre disposition pour ouvrir l'école. Puisque le gouvernement est incapable, nous cherchons une solution pour l'école. Ouvrir l'école le plus rapidement possible. Parce que ouvrir l'école, c'est une attribution que le gouvernement a pour prendre les dispositions sécuritaires et tout pour que le cas ouvre l'école. Donc, demande ça, c'est ouais pour que le cas gagne juste un gouvernement qui a venu, qui a une capacité pour ouvrir l'école. À la question. États-Unis et Canada ont toujours aidé la police, mais ils ont toujours aidé la police vraiment. Et PIA, en général, toujours à partir du budget, toujours garder le surplus là, très mal. Pour qui ça me dit ça? Là que il y a un plan de développement de la police. Par exemple, le dernier plan, 2016-2021. Eh bien, dans le plan, il y avait dit, mais qui ça représente comme budget de fonctionnement, mais qui ça représente comme budget d'investissement en matériel. Ce qui est arrivé, gouvernement. Les toujours mettez comme là le fonctionnement payroll, mais il ne va jamais garder le budget d'investissement que c'est en partie du Canada. Quelques commissaires, il ne va pas mettre comme exact pour qu'il fasse vrai investissement dans la police. Donc, il a compté sur deux commissariats que Canada a dans les États-Unis, et puis, à partir de ce moment, il a dit oui, investissement fait. Non, c'est l'État qui est responsable de l'investissement dans la force publique. Ou quand je vais en tout cas complémentaire. Donc je dis à Chahela qui passe au Canada, aux États-Unis, les sous-dos l'État qui veut mettre le gars pour force publique et qui a demandé l'autre pays aide, s'il va finir, pour compléter le. Nous allons écouter force publique sous compte au pays étranger.